Le CAC 40 évolue toujours dans le rouge ce midi, après les replis de Wall Street et des places asiatiques. Airbus perd 1%. Les syndicats ont averti qu'ils s'opposeraient à tout licenciement au sein de l'avionneur dans le cadre de son projet de réorganisation. Et puis Sanofi pèse aussi sur la tendance, en repli de plus de 1% ce midi. À l'inverse, les valeurs pétrolières sont bien orientées à l'image de Total et Technip. Technip qui bénéficie de la signature d'un important contrat en Norvège. Et puis Solvay et Arkema progressent, portés par la publication rassurante de BASF, le numéro 1 mondial de la chimie. Les difficultés se confirment pour le spécialiste des réseaux mobiles Ericsson. Le Suédois a prévenu ce matin que ses résultats du troisième trimestre seront largement inférieurs aux attentes à cause d'une demande atone, une tendance qui devrait se poursuivre à court terme, prévient-il. Et ce sévère avertissement fait couler le titre Nokia en bourse ce midi. Il perd 4,5%, plus forte baisse du CAC 40. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.